Alors bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que je vais la refaire, c'est-à-dire que je l'ai faite une première fois et ça s'est... J'ai passé plus de temps dans la vidéo à essayer de le refaire en aquatique qu'à sérieusement le faire. Alors, comment ça va se passer? C'est très simple, c'est qu'en fait j'ai fait les putains de coups critiques de merde. Attendez, on va voir si ça passe. Peut-être que oui, hein. Non, ça passe pas. Le prochain coup, il me faut trop cher. Donc, il faut refaire. Ceci dit, on va quand même essayer au cas où. Mais non, en fait, parce qu'il va me faire une attaque directe. Et il va faire justement 567. 504, bon, bref. Il faut refaire. Il faut refaire parce qu'il m'a foutu un coup critique. Et donc, normalement, je commence par humanoïde, puis draconien, etc., etc. Là, très exceptionnellement, je vais commencer par aquatique. Alors, c'est pas non plus... Bref, ça suit pas la règle, mais ce sera peut-être pas la seule exception. Alors, pourquoi? Parce que je l'ai fait en aquatique d'une autre façon, et je n'arrive pas à retrouver comment. Alors, du coup, bah, j'ai trouvé une autre façon encore. Je vais vous montrer l'autre façon que je n'arrive pas à retrouver. Après, me disant ouais, mais c'est censé marcher et pouf, ça marche pas. Alors pourquoi lui? Parce qu'il a plus de PV et que c'est la mascotte avec Geyser avec le plus de PV, hein, c'est tout. Pourquoi lui? Pour griffes noires plus des bandades. Il me tue. Ne lui gâchons pas ce plaisir. Ensuite, Mudslide. Et pratiquement tout le reste des dégâts. Là, il va faire son. Son spin to win. Take it all. Take by take, kinging all away. Ta 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 ta. Là, on spamme juste le crush. Et ouais, crush, ça veut dire écraser. Et là, on passe. Et voilà. C'est pas 100% de chance de victoire, mais voilà. Ensuite, je vais vous montrer rapidement le truc où c'est censé passer, mais ça passe pas. Et attendez, geyser. Là, un setup. C'est pas le plus lourd qui existe, hein. Il fallait faire ça trois fois. Et normalement ça marche pas. En fait j'en sais rien parce que normalement ça marche mais là visiblement ça marche pas. Alors le truc c'est de c'est qu'à la fin il me doit me rester assez de PV mais il faut quand même que je lui inflige suffisamment de dégâts pour que le Swallow You Whole fasse bah, de vrais dégâts. Hein. Ça, un triple setup. Et ensuite, il faut aller vite. Non, ça marche pas parce qu'il me tue pas. Donc en fait, j'étais censé switch. C'est ça, j'étais censé switch. Bon, on refait, on retente. Évidemment, c'est pas très clair. Même pour moi. Alors que c'est moi qui l'ai fait. Je retente rapidement. Trois fois et trois fois seulement, c'est pour avoir assez de PV sur la fin.
Et aussi bizarre que ça puisse paraître, non, on se prend pas un coup après pour avant de faire l'échange de vie. Là, il tient pas deux coups alors l'autre. Ça tient pas. J'essaie de le refaire, mais voilà, il a au prochain tour, il me bute. Non, écoutez, tant pis, on va laisser ça de côté. J'ai essayé d'autres méthodes, mais bon, voilà, chut. On va reprendre depuis humanoïde et on va laisser les aquatiques de côté. Alors, il y avait lui déjà. Il y avait. Il y avait lui, il y avait Crawler. Les chances sont de 50. Enfin de 1 pour 2 quoi. Alors, hop. Prends la mascotte qui a un ça. Avec le plus de puissance possible. Par contre, c'est une vraie team. Tous les sorts vont être utilisés. Ça déconne pas. Les chances sont de 50% parce que si je ne fais pas démolir, je ne peux pas y arriver. Or, démolir n'a que 50% de chances d'y arriver. De toucher, pardon. Prochain coup, il me faut la paix. Alors, ensuite on meurt. Ensuite, il est stun. Ensuite, il refresh son truc au prochain coup. Merde! J'ai fail, j'aurais dû faire esquive. On recommence, c'est ma faute. On le refait de A à Z. Jusqu'à ce que ça marche. Ensuite, là il refait son truc. Alors c'est normal que les premières mascottes participent plus en pourcentage que les dernières. C'est parce qu'il fait de plus en plus mal, donc c'est un peu de plus en plus dur de le tenir. Si on n'a pas, si on n'a pas la priorité sur lui. Ça c'est sans aucune forme d'importance. Ensuite, quand il va refresh, et il va le refresh quand il lui reste en tour, je sais pas pourquoi. On esquive. Là, on se fait tuer. Voilà. Alors, un coup esquivé, un coup comme ça, et un coup pas à parier. Là, il nous faut
toucher avec démolir, pas le choix, il faut utiliser démolir. Si on ne touche pas, tant pis. Il faut refaire. Un truc, c'est ma bouteille d'eau et je me demande, mais qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que si on tout, c'est-à-dire que le écraser ne suffit pas. Démolir, ça a peut-être entre guillemets que 50% de chance de toucher, mais ça peut toucher quoi. Voilà, c'est pas, on va pas tenter une RNG sur les dégâts maximaux possibles. Deux coups, c'est le dernier que j'encaisse. Enfin, de manière classique, quoi. Ah non. Sinon, on lui coupe son truc. Un coup mutilé, parce que c'est plus puissant que Traconard. Donc, bah, déjà, il y a ça. Et ensuite, il est plus rapide. On esquive pour la bonne cause. Passe pendant deux tours. Fait une déviation, sinon il nous tue. Là, il faut qu'on le touche. Waouh, ça c'est de la molestation, ça. C'est pas du toucher. Ensuite, alors j'avais utilisé Yula dans mes premiers tries, mais en fait Yula on s'en fout. Pour la suite, on va plutôt utiliser une mascotte qui augmente les dégâts de type magique. Pourquoi? Ben pour augmenter la puissance de vagues de puissance justement. Alors, comment que ça s'appelle? Alors, Life Exchange, PP, il est où il est là? Je sais plus combien de coups on prend avant de crever. J'aurais pu en prendre un de plus. Wow. Dis donc. Bon, là, c'est mort pour lui. Dis donc, super efficace. Voilà, donc les dégâts sont augmentés de 10%. Ensuite, en aérien, ça va être très rapide. Puisque. Attendez, Seaborn, on commence par le Seaborn. Ensuite, des trucs un petit peu rapides, justement pour être plus rapide que lui. Les dégâts ou presque vont être faits avec la to toxine. Le tour où lui, bah, il fait rien. Ensuite, Undead. Argus. Ouais, écoutez, c'est plus rapide que de Switch, non?
Celle-là a plus de PV. Ah bah, non. Le truc inutile. On l'aveugle et on attend. Voilà. Alors bien sûr, en fait, on aurait pu perfect. Hein. C'est-à-dire, on fait l'aveuglement et à chaque tour, il fait son bouclier. On refait le glowing toxin, on l'aveugle à l'éternam. Mais c'est chiant. Toi tu vas là et toi tu vas là. Attendez, mais non, c'est pas ça. Excusez-moi, c'est une déformation professionnelle. Alors. Mais est-ce que le fil du micro veut bien foutre la paix à mon bras? C'est une question qui est sur toutes les lèvres. Oui, abomination. Et ensuite, le troisième, c'est avec survival, avec le plus de vie. Pourquoi? Ben par principe. Et donc là, les principaux dégâts vont être causés par l'explosion morbide. J'ai chaud, alors je me suis mis torse nu. Pour attacher le micro, j'ai attaché à une cravate. Et là, je suis en train de faire n'importe quoi. Alors, résultat, la cravate est en train de déconner. Tout va bien. Oui, c'est bon. C'est très important de vérifier s'il a bien. Merde, merde et merde. J'ai pas fait ce qu'il faut. J'étais tellement confiant, parce que j'ai vu l'explosion morbide ici, alors je vais utiliser le même slot. Sauf que non. C'est pas Pokémon. D'ailleurs, qu'est-ce que je raconte comme conneries? Alors voilà, donc de toute façon. Voilà, et donc c'est principalement ces dégâts-là qui vont tout faire. Là, on bouffe. Sinon, il nous tue au prochain coup. Le but étant en fait simplement de survivre. Et là, au tour où le passif se déclenche, on fait survie. Et le reste du temps, on fait chomp. Là, on fait chomp. Ou n'importe, hein, de toute façon, parce que. Non, c'est pas n'importe. Voilà. Là, il nous tue pas et nous on tue. Voilà, ça passe comme une lettre à la poste. Critter. Critter, arrête de critter. Alors. Burst, celui avec le plus de PV. Non, c'est pas celui-là. Putain, en plus, ils en ont tellement peu. Et lui, parce qu'il a beaucoup de PV.
Alors là, il y a un petit setup, mais comparément au reste, comparément à ce qui sera visible plus. Ah ben voilà, il est parfait, le setup, il est fait, voilà, c'est fini, il suffit de l'assommer. Voilà, donc en fait on fait tout avec piétiner, mais seulement pour faire un coup en plus, pour faire un petit peu de dégâts en plus, ben, il nous faut un stun. Un classique. Ben, là on survit pas à plus d'un coup, donc pouf. Lui il a masse PV, c'est pour ça qu'on l'a pris. Il survit. Et pan. Ensuite on a la team Baal. Attendez, on va faire un nerf. Ça c'est vraiment un combat pour Baal. Parce qu'il n'y oppose aucune forme de résistance. En magique, on va faire ça différemment. Si on le fait, je propose plutôt d'essayer de le faire dans une vidéo séparée. Comme à chaque fois que c'est trop dur. Enfin, que ça demande trop de RNG en tout cas. Et honnêtement, c'est un combat un peu particulier. Pam, 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 pam. Ceci dit, c'est très marrant. Meurtre des innocents. J'adore faire ce truc. Et le dernier, c'était. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va affronter des mascottes sauvages. Il faut prendre 10% Bref, on va laisser la première se faire tabasser jusqu'à au moins un certain montant. Encore un coup. 189, il me fait combien déjà? 256, c'est bon, c'est safe. Bon, écoutez, je crois que ça suffit. Et il est important de perdre 10% de vie. De toute façon, il nous one shot, alors à un moment, il faut arrêter d'avoir peur pour rien. Il était là. Évidemment, on a tellement peu de vie qu'on déclenche ça. Et voilà comment ça va se passer. Ça va se passer très très bien, mais il y a un tout petit peu de RNG. Il y a un seul truc qui a de la RNG, c'est très simple, ça passe ou ça passe pas. Il faut, je crois, faire 468. Oui, c'est ça, 468 de dégâts minimum. Deux manières d'y arriver. On fait un coup critique avec ça ou on tente avec ça. Si on fait avec ça, on a la plage de dégâts va de. Je crois que c'est. On a 3 chances sur 217 que ça marche. C'est moins que 5%. Donc on tente les 5%. On n'y arrive pas. Maintenant, regardons ce qui se passait si on y arrivait. On aurait fait. Il est où le truc? 143. On aurait fait. Bah 70 dégâts de plus. Là, il est à 23 PV. Avec un coup critique, il serait mort. Sans coup critique, il nous défonce. Mais avec un coup critique, il serait mort. Voilà. Alors, je vais peut-être le retenter à la toute fin, mais honnêtement, c'est pas le but. Ensuite, Garalon, Dreadmaw, Kif. Non, non, Clef.
Et ouais, c'est ça. TR Dreadnought. Putain, je sais même plus comment je l'avais foutu lui. Ah oui, Switch. Aïe. Aïe. Fait trop rire. C'était, je sais plus trop où. Je rigole comme un con. Là, c'est préférable qu'il nous tue. On repose la toxine. Ah, il y a la souris qui tombe. Et ensuite, on se prend Kytos. Trample. En aquatique, c'est fait. Yeah, c'est fini. Voilà. En aquatique, c'est fait, exceptionnellement. Maintenant, on tente en mécanique. Deux pocket canons suffisent. Et en plus, c'est juste du trait, donc il n'y a même pas besoin de réfléchir. Ensuite, on va retenter une dernière fois en élémentaire. Mais comme je l'ai dit, ça mérite une vidéo séparée parce que j'ai pas envie de. Bah, si un, c'est dans un setup. Et deux, c'est que et uniquement que 5% de chance. Alors, sincèrement, vous croyez qu'un try qui marche, c'est une chance sur combien? C'est fait exprès, hein. C'est juste pour tempo un peu au niveau de PV. Quoique non, j'aurais dû exploser avant. C'est pas, ça aurait été plus sec pour le suivant. C'est pas grave. C'est pas grave, ça passe quand même. Je vous jure que ça passe. Je vous jure que ça passe. Voilà, ça passe. C'est pas le plus safe, mais ça passe. Ensuite, on va, donc je l'ai dit, avant de se quitter, on va retenter une dernière fois en élémentaire. Alors, Raven. Non mais tu as arrêté de faire chier et il faut que le premier se fasse défoncer. C'est un setup. Un peu plus. Merci. Au moins c'était rapide, hein. Le fait de perdre des PV aussi, hein, les 10%, c'est ça qui permet de se rapprocher du si petit nombre de points de vie restants pour lui. On va consciencieusement retenter une dernière fois, mais le coup critique là, je l'ai mauvaise.
D'ailleurs, c'était un coup critique de sa première attaque. Hein. Ça déconne zéro. Ensuite, coup critique ou pas coup critique? Pas coup critique, bah c'est pas grave, on va aller jusqu'au bout. Pas coup critique, mais il va quand même finir à 23 PV seulement. Donc, pas coup critique. Et il nous tue. Sur ce, ben, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Oui, bon, encore une fois, ça plante un peu, alors on va se mettre en hauteur quelque part, là où il y a eu. Voilà, et on fait exit. Et on sort.